You really hit the ground running today, Michael. I know we're making fun, but... Aren't we always? I pride myself... People doesn't say what else I pride myself on not having become an alcoholic until after I was already a failure. Okay. Because alcoholic failures are boring. That's actually... And I ruined my life sober, and then I came to you. We got you the prime. We got you at the prime of your life, man. So you're saying the alcohol didn't ruin your life? No, it actually did not. Keith Richards looks at you and wonders how you're still alive. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 35. Cette semaine, émission Rêve américain, les cauchemars hallucinés et la gueule de bois. C'est reparti pour un tour, le café de chez nous. Pas fier pour un sou, plein de rire et de vie, et de fumée et de cris. Petit bistrot du coin, chez Arnaud ou chez Zubac et Théo. Nous, on vous aime bien, vous êtes nos copains. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, pour fêter demain la réouverture des terrasses le 19 mai. Donc nous allons parler alcool, cuite, cauchemar et rêves hallucinés, puisque donc nous allons parler d'un film encore inédit en France, si je ne m'abuse, qui s'appelle Bloody Nose, Empty Pockets, des frères Ross, donc Turner et Bill, le quatrième du nom. Et ensuite nous parlerons... d'un coffret édité chez Spectrum Film consacré au jeune réal japonais Ujisha, avec deux films, Violence Voyager et Burning Buddha Man. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleur et bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a le docteur Awan, bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, c'est le programme en présence. Donc comme je vous le disais, demain les terrasses vont réouvrir. Le 19, c'est mercredi, c'est pas demain. Qu'est-ce que t'es en train... Oui, nous sommes mardi soir. Ah oui, mais merde. Oh là là, désolé, je foire complètement. Je suis à deux. Mais voilà, parce que donc... Ah, j'ai inventé le truc comme une merde. Mais voilà, nous sommes tous à peu fermés, car nous sommes tous dans le même état que les personnages du documentaire dont nous allons parler. Bravo Erwan, bien joué. Il a honte. Voix tentée. Et oui, donc nous sommes mardi soir, Erwan, nous sommes le 18 mai, donc demain les terrasses se réouvrent. Donc nous allons pouvoir un petit peu célébrer ce retour à la vie normale tant vanté par notre président, voilà, qui nous a quand même sauvé du Covid. Et donc voilà, nous allons parler de ça et donc de ce coffret édité chez Spectrum Film, des films très différents s'il en est en tout cas, mais en tout cas un bien joyeux programme. Donc demain, non seulement c'est la réouverture des terrasses, mais aussi des cinémas, donc une jauge de 35%, 450 films en attente. Comme on l'a déjà dit, il va y avoir des morts, mais donc ça sera aussi l'occasion peut-être pour les Rennais d'aller découvrir le nouvel Arvor qui est situé gare sud, donc 5 salles. Pour l'instant c'est quand même plutôt un programme de reprise de toute façon des films qui devaient sortir ou qui étaient sortis juste avant le confinement du mois d'octobre. Donc pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à moins, sauf si on a raté des trucs. Mais il y a vraiment plusieurs choses qui devraient sortir courant du mois de juin et à l'été, notamment le prochain Paul Verhoeven. Mais donc en attendant, je pense qu'on parlera de toute façon des sorties plus récentes à la rentrée. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres informations, messieurs, vous êtes excités à l'idée de ce retour des cinémas, de retour des terrasses. Moi, je ne dis plus rien. c'est le retour des jours heureux. Voilà, c'est ça, le retour des jours heureux. Donc, à propos de jours heureux, on va y aller tout de suite. On va partir du côté de Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, dans un coin où il fait toujours beau, où on est toujours heureux d'être là, et surtout un coin merveilleux car on y voit des barman.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Blues Brothers avec A Bartender et de Barman. Donc il va en être question dès à présent, car nous allons parler donc d'un film qui, je le disais, est inédit en France, en tout cas à ma connaissance, y compris sur des plateformes. On ne désespère pas de le voir sortir officiellement, car c'est un très beau film. C'est donc Bloody Nose, Empty Pockets, réalisé par les frères Ross, donc Turner et Bill, le quatrième du nom. Donc visiblement, c'est un nom qu'ils aiment bien dans leur famille quand même. Hein. Et donc, c'est un film qui était au festival de Sundance l'année dernière et qui, en fait, documente la dernière soirée d'un bar de Las Vegas qui s'appelle le Roaring Twenties. Et donc, on va voir un peu défiler tous ces habitués, tous les gens qui aimaient ce lieu, pour qui c'était presque comme un deuxième foyer, donc un bar qui avait vraiment été investi par ses habitants, qui était vraiment presque un lieu de mémoire pour ces gens-là. Et donc, ça va être cette dernière soirée, du matin du dernier jour jusqu'au lendemain matin, où les gens se réveillent après avoir s'être endormis sur le sofa, comme des fois ça arrive. Donc, dit comme ça, on se dit que c'est quand même un très beau sujet, effectivement. Mais là où c'est aussi particulier, c'est que le film est un documentaire, mais pas vraiment. C'est une fiction, mais pas vraiment non plus. C'est une genre de non-fiction qui serait un petit peu comme un documentaire, à la fois dans son concept et dans son artifice, on va dire, mais pas dans ses personnages et pas dans les propos qui sont tenus. Donc, car les deux réals, en fait, voulaient faire ce genre de documentaire, mais ils n'ont pas réussi à trouver le bar qu'ils voulaient, à trouver vraiment les personnes. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que déjà, ils n'ont pas tourné à Vegas pour le bar en lui-même, sauf pour les extérieurs, mais ils ont tourné dans un bar de la Nouvelle-Orléans, là d'où viennent les deux frères. Et en fait, ils ont fait un casting un petit peu aux quatre coins des USA en écumant les bars. C'est décidément un beau métier hein, quand même de faire du cinéma. Donc, ils ont écumé les bars un petit peu partout. Ils se sont peinté la gueule avec différentes personnes jusqu'à ce qu'en fait, ils trouvent le panel de personnages ou en tout cas de personnalités que eux, ils avaient envie de filmer. Et donc, ils les ont ramenés à la Nouvelle-Orléans pour deux gros jours de tournage. Où en fait, ça va être laisser place à une improvisation presque totale, puisque les réals vont juste parfois leur donner un ou deux topics, et après les mecs vont aller déblatérer, vont aller parler avec qui ils veulent, donc les relations soit entre les barman, enfin entre un barman et puis la barmaid et les différents clients, ou entre les différents clients eux-mêmes. Donc ça va être toute une variété de personnages et d'âge aussi, puisque donc ça sera quand même pas mal, quand même plutôt des gens qui sont abîmés par la vie, on va dire, soit des retraités, soit des vieux, des anciens soldats. La seule personne jeune, on va dire, qu'on voit, c'est le fils de la barmaid, qui doit avoir une quinzaine d'années, je pense, 15-16 ans. Et donc, c'est juste ça. Et ce dispositif, en tout cas ce concept assez casse-gueule, en fait, je trouve, est réellement payant, puisque c'est étonnamment hyper cohérent à la fois dans son principe de mise en scène, dans la manière dont ils vont filmer ça et dont ils vont le monter, dans le discours que vont tenir les personnages, et dans où on croit vraiment à ce monde-là qui pourtant est totalement artificiel et fictif, et pourtant il y a une vraie cohésion qui va naître, et de là je trouve une véritable galerie de personnages qui seront tous hyper touchants, que ce soit du perso référent, entre guillemets, en tout cas, qui est le premier qu'on voit, qui est celui de Michael, qui en fait est un ancien acteur qui a joué dans des séries Z et puis des séries B, et qui est décédé d'ailleurs il y a moins d'un mois maintenant, et qui drive un petit peu a priori le récit, entre guillemets, alors que très vite justement on va aller dériver vers les autres personnages qui vont rentrer dans le bar. Il y a notamment Pam, cette femme d'une soixantaine d'années qui est très très fraîche, qui est très très fière de ses nichons. Elle trouve qu'ils tiennent vraiment encore admirablement bien pour son âge, et du coup elle les montre à l'écran et un petit jeune pour qu'on puisse bien vérifier. Et donc c'est vraiment étonnant cette recherche là de la vérité en passant par le biais de la fiction. Je ne sais pas, messieurs, vous autour de cette table, on est à peu près tous dans le même état que les personnages du film le lendemain de la soirée. Mais oui, le film, au-delà de l'émotion ou des émotions qu'il véhicule, qui sont profondes, sincères, puissantes, le film est vraiment un exercice de réflexion autour de la question documentaire, enfin autour de la dualité documentaire-fiction, dualité qui finalement n'existe
pas ou finalement très très peu. Mes vieilles questions. Mes vieilles questions en fait qui irriguent le cinéma depuis la création du cinéma, depuis 1895. Et ici en fait on est donc, comme le disait Thomas, on n'est pas dans une fiction, on n'est pas dans un documentaire. Guy Gauthier, lui, donc, qui est l'auteur d'un ouvrage de référence, le documentaire Un autre cinéma, lui aurait pu qualifier ce film d'un documentaire de fiction, c'est-à-dire qu'on est dans une approche peut-être à la Peter Watkins, où en fait on prend la forme d'un documentaire, c'est-à-dire avec une caméra très libre, à l'épaule, avec une gestion des flous qui peut être plus ou moins aléatoire. Question des reflets, parce que du coup, le dispositif et les caméras ne seront pas cachés. Voilà, parce que, c'est visible. De toute façon, vu que c'est un bar, il y a forcément plein de miroirs, donc c'est hyper casse-gueule. Des regards caméra, où les mecs se rendent compte qu'ils ne doivent pas regarder la caméra, donc ils essayent de se reprendre. Mais on n'est pas sur un documentaire au sens, on va dire, le plus fermé du genre. On prend la forme de documentaire pour parler d'autres choses. Il y a un vrai parti pris dans ce film-là, c'est qu'il nous montre la fin d'une époque, la fin d'une Amérique, la fin d'un quartier, la fin d'une certaine façon de voir la vie également, et la fin d'un certain commerce, d'un certain type de commerce. Et en ça, le film est absolument fascinant. On pourrait croire à une certaine redondance, parce qu'il fait quand même 1h38, si je ne m'abuse. Ouais. Et pourtant tout ça passe extraordinairement bien. Alors ça pourrait être chiant hein, pourtant des gens qui picolent toute une soirée, mais sans gros fil. Je me rappelle qu'on a consacré 2 heures d'émission pour notre anniversaire sur la question de l'ivresse au cinéma, donc il y a quand même des choses. Ça se tient très bien, parce que derrière cette apparente légèreté, en fait, il y a un vrai drame, il y a de vraies tragédies qui se tissent. Autour de ce film-là, donc des tragédies bien entendu humaines, individuelles, et puis une énorme tragédie collective qui est la perte... La perte d'une illusion, c'est un paradis perdu en fait. Ce bar-là est une espèce d'enclave dans un paradis perdu au cœur d'une espèce d'immense gentrification en fait. Il me semble que le film devient politique. À ce niveau-là. Le fait de vouloir de dire en fait que pour eux le bar était à Vegas, parce que c'est le truc classique de voir Vegas comme un miroir déformant de l'Amérique, justement c'est la ville de tous les excès, c'est la ville du vice, tout ça, et justement de caler ce bar-là qui paraît quand même anachronique au milieu de cette ville-là et surtout au milieu de ce monde contemporain, on va dire, et on a l'impression que c'est un bar des années 50 où ça clope comme des pompiers au comptoir dans le bar, ça picole, mais d'une putain, je me suis tapé une gueule de bois en le voyant quasiment, tellement les mecs chargent la mule. En plus, il picole du vrai, hein, du coup, c'est parce que c'est un vrai bar qui fonctionne, quoi. À noter que le film est, il faut le prendre le film au premier degré, c'est-à-dire qu'il y a une vraie sincérité autour de ce projet. On n'est pas dans le faux documentaire. On peut facilement tomber dans un exercice parodique ou dans le pastiche, ou ce qu'on appelle le mockumentaire. Et ici, pas du tout. On se dégage vraiment de cette dimension-là pour aller sur quelque chose de puissamment sérieux, en fait. Et après, au-delà de la question politique, il y avait entendu la question de l'émotion, des émotions qui sont véhiculées, parce que tous ces acteurs, du coup, on pourrait dire, ont des regards absolument fantastiques, ils ont des dégaines absolument fantastiques, et l'alcool aidant, forcément, à la fin, on commence à raconter des conneries, on commence à pleurer. Il y a du drame. Et à se prendre dans les bras, à danser n'importe comment. Et là, tomber. Et là, on est dans une vraie vision poétique et éthylique. Ouais, c'est la fraternité de la picole, en fait. Voilà, qui nous manque et finalement qui nous fait du bien. Qui est une vraie culture, de toute façon, la culture de bar, de manière générale, qui a quand même un peu tendance à se perdre. Mais... C'est vrai que on n'est pas si éloigné que ça d'univers, tu vois, comme les univers de Bukowski, tu vois, où il y a une espèce de mélange de pathétique et d'humain, en fait. Buck, à certains films de Houston, justement, c'était Fat City, par exemple, où il y a pas mal de scènes de bar, où il y a ce côté aussi hyper désespéré, vraiment noir, un peu de la vie. Mais j'avoue que le dispositif du film, en dehors de l'intérêt que ça présente justement de ce mélange de documentaire et de fiction, qui fait qu'on sait jamais trop en fait où est-ce qu'on est en fait, mais ce qui est aussi très agréable je trouve dans le film,
parce que du coup ça donne aussi une espèce d'honnêteté finalement. C'est moi c'est un truc que j'aime, un procédé que j'aime beaucoup au cinéma quand on utilise l'artifice pour créer pour aboutir à de l'honnêteté. Ça, je trouve ça toujours super assez puissant à regarder. Mais ce que j'ai trouvé bien aussi c'est ce truc de décor en fait. C'est-à-dire toi tu parlais de paradis perdu, moi je parlerais presque de purgatoire. C'est une espèce de lieu d'errance comme ça pour des mecs qui sont dans une espèce de... Un refuge. Ouais, puis même la ville qui est une espèce de purgatoire. Ça, on a l'impression qu'ils sont vraiment complètement à côté quoi, du monde, en fait, de la marche du monde. J'ai l'impression, parce qu'il y a un des personnages qui parle de Trump, j'ai l'impression que c'est censé se passer avant l'élection de Trump. C'est censé se passer juste avant l'élection de Trump, c'est censé se passer en 2016, le film. Je pense que c'est pas totalement un hasard aussi, parce qu'il y a peut-être... Oui, il y a des magas, il y a des... Voilà, et puis il y a cette manière, je trouve, de montrer, comment dire, une espèce d'Amérique, justement, qui est à la fois une Amérique white trash, mais qui n'est pas une Amérique raciste, qui n'est pas une Amérique de fans de flingues, qui n'est pas une Amérique, justement, des électeurs... Alors que, pour autant, il y a sans doute des futurs électeurs de Trump, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi ce désir de montrer que justement cette Amérique qui est perdue en fait au niveau à la fois politique, idéologique, sociale et tout, voilà, que c'est pas forcément des d'afro-réac et en fait je crois qu'il y a eu pas mal de films ces derniers temps notamment en documentaire justement sur les white trash qui a un petit peu affiné cette vision là où on a l'impression nous depuis la France qu'il y a les gentils démocrates qui vivent dans les villes et puis il y a les affreux républicains avec genre les mecs qui vivent dans les roulottes, qui portent des shorts. Exactement. Et c'est à la fois un peu ça. Et en même temps, il n'y a pas de jugement moral sur ces gens-là, ce qui est plutôt agréable. Et tu vois bien aussi qu'il y a des choses, moi je pense, qui sont assez difficiles à comprendre pour un Européen, c'est notamment le poids de la guerre. Parce qu'il y a quand même des vétérans de différents âges. Certains qui sont des vétérans d'Irak, d'autres qui sont des vétérans du Vietnam. Enfin, tu vois, et tu vois que la brisure, elle est là aussi, quoi. Que c'est les guerres constantes qui mènent depuis 50 ans. Et puis du fait que quand ils reviennent, ils sont considérés comme des éléments gênants. En fait, ils cadrent plus avec le pays qu'ils sont allés défendre à l'étranger, quoi. Ou que eux pensaient aller défendre, en fait. C'est le premier Rambo, c'est l'histoire de... Voilà, et c'est assez dingue de voir que ça se répète complètement. Enfin, tu vois, que cette espèce de truc des vétérans, cette espèce de blues des vétérans, finalement, il est quand même toujours vachement... Enfin, en tout cas, dans le film, il est vachement présent, moi, je trouve, en filigrane, mais il est quand même pas mal là, et tu sens qu'il y a une part de la brisure de ces personnages. Mmh. Tu sens aussi les mariages ratés, enfin, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien aimer, c'est tout simplement comment est-ce qu'il y a tout un hors-champ, en fait, qui se révèle, en fait, à la fois à travers les paroles des personnages qui révèlent tout leur hors-champ, mais par petites touches qui fait qu'on sait jamais exactement de quoi est faite leur vie, mais on en sait suffisamment pour que ça soit intéressant. Oui, parce que de toute façon, en fait, c'est comme quand tu racontes une histoire à un pote ou bien à ton barman, a priori quand même il te connaît depuis un petit moment si tu te mets à lui raconter telle ou telle chose. Donc finalement, toi, évidemment, que on n'aura pas des infos, on n'aura pas tous les détails, on n'aura pas tout le background, mais néanmoins, par la manière dont ils racontent, parce qu'ils racontent tous très bien leurs histoires, on va immédiatement comprendre l'effet en fait que ça veut produire. Ce qu'il est, ouais, puis ce qu'il est tient, ce qu'il est tiraille, ce qu'il est rend triste. Moi, j'aime bien la relation entre la barmaid et puis son fiston qui fume des joints et voit des coups juste à côté, mais qui est quand même plutôt sympa parce qu'il sait que sa mère va s'inquiéter s'il se barre trop. Voilà. C'est un bon gars. S'il se barre trop loin, donc il reste avec ses potes à écouter ce qui se dit dans le bar, à raconter des conneries, à être défoncé ensemble. Et tu vois, il y a une espèce de côté à la fois, il y a quelque chose d'inoffensif en fait chez tous ces gens-là. Tendre. Voilà, il y a une espèce de tendresse qui fait que voilà, tous ces mecs qui sont brisés, toutes ces femmes qui sont brisées aussi, trouvent là justement un purgatoire avec d'autres âmes en peine comme eux. Et c'est... Bah, c'est un doc de la compassion en fait, mais qui du coup va pas attirer vers le larmoyant, vers le pathos, tout ça. Où finalement tous les personnages du film, entre guillemets, auront leur moment, pas forcément le moment où ils vont parler, où ils vont raconter, mais il y aura un moment où dans leur vie, et du coup là dans le film, ils vont pouvoir entre guillemets briller, c'est-à-dire qu'ils auront une chose à raconter, ils auront un moment où ils vont aller danser, où ils vont raconter des histoires, où ça sera peut-être juste parfois par un regard, par un geste, par une connerie qui sera dite, genre le personnage qui va enlever son pantalon, parce que quand on est au comptoir, c'est quand même bien plus confortable d'être en slip. Oui. Parce que c'est un Australien, apparemment ils font beaucoup ça, les Australiens. Qui est très gentil aussi, voilà, c'est ça. Des Australiens très sympathiques. Voilà, mais du coup c'est comme ça fonctionne par petites touches, quoi. Il y a une vraie tendresse derrière, et sur ce côté du purgatoire, et puis du bar comme un refuge justement, qui serait un petit peu coupé du monde. De toute façon, on a toujours un petit peu cette illusion quand on est en soirée ou comme ça dans un bar où on est bien,
où on est avec des potes, ou quand on est potes avec le barman, tout ça, c'est vraiment un genre de foyer doré finalement. On se dit que oh, ça va, c'est pas grave, tout ça, avant de retourner au charbon, quoi. On c'est vrai qu'on s'accroche au comptoir avec les, avec, avec les personnages, et c'est vrai que le bar reste quand même un lieu extrêmement cinégénique. Hein, le, ah bah cette, c'est un lieu de cinéma, de toute façon, un bar. Cette magnifique ligne de fuite du ces reflets. Au-delà des drames, enfin, ou des drames ou des histoires qui s'y passent, c'est que physiquement, en termes de pur décor, le bar reste un pur décor de cinéma. De façon, dans un vrai bon bar, le comptoir doit faire au moins les deux tiers de la salle. Et là, c'est, ce qui est vrai, c'est que si on s'est raté, on pourrait croire que qu'on est dans une espèce de captation un petit peu à la va-vite, mais alors que le film est extrêmement extrêmement travaillé dans sa, avec une équipe caméra qui est quand même vachement réactive. Ouais. Pour filmer, parce qu'il y a aussi plein de moments aussi où ça, c'est, moi j'aime bien ça, c'est que justement il y a, c'est un endroit qui est assez réduit, pourtant effectivement il y a plein de travail sur la profondeur de champ, alors avec les miroirs, mais aussi avec tout ce qui est au second plan. Tu peux choisir en fait quasiment, tu peux choisir d'écouter un personnage et de regarder un autre. Oui, parce que y a... un peu comme au bistrot, un peu comme au bistrot en vrai justement, ça c'est parce assez. Parce que t'as, en gros, t'as au plus fort, on va dire, t'as une vingtaine de personnages en même temps dans le bar, donc justement c'est assez foisonnant, et comme tu dis, t'as vraiment ce truc où t'as des détails dans tous les coins, on dirait un film de Cimino, tu sais, où dans le moindre coin du cadre tu as un truc qui se passe, parce qu'il y a, alors il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé qui fait partie aussi du dispositif, c'est qu'il y a une télé qui est allumée pendant tout le truc, et qui passe que des films des années 30-40, alors, des au début de... à nouveau cette Amérique perdue qui regarde qui des jeux revient. Au début, genre le Jeopardy ou les machins comme ça, et puis parfois il tombe sur les infos, mais il y a toujours un écran qui est allumé en permanence, et donc à la fin, oui, notamment, ça va se finir sur un film noir et sur la question de l'Amérique. Il y a Curassé Potemkin aussi. Enfin, voilà, ouais, pas mal leur prog. Hein, ouais, et ils sont sur Curassé Potemkin au bar, j'ai jamais voilà, vu ils ça. Doivent être sur, ils doivent être sur The Cinema Channel, je sais pas quoi, mais voilà, toujours est-il que c'est que du film en noir et blanc. Et à mon avis, les extraits, alors moi je connais pas les extraits de tous les films, donc voilà, j'en ai reconnu 2-3 comme ça, mais tu sens bien voilà, qu'il y a. Ça commente aussi cette Amérique justement, cette Amérique de la désillusion, mais comme la réplique finale en fait, où voilà, il y a trois personnages qui sont sur un mur, qui regardent le paysage, et puis il y a la fille qui dit oh, mais je croyais ça fait une demi-heure que je regarde ce palmier, je pensais que c'était un vrai palmier alors qu'en fait c'est juste une enseigne, quoi. Et c'est à la fois très drôle, je trouve, et en même temps ça dit tout justement sur cette espèce de désillusion, mais qui finalement ne disparaît pas avec l'alcool justement, mais qui, c'est juste que l'alcool rend supportable en fait cette désillusion. En tout cas, c'est moi comme ça un peu que j'ai ressenti la fin. C'est un peu le miroir aux alouettes, et le fait que, alors le film a été tourné à la Nouvelle-Orléans, mais c'est vrai que, comme disait Thomas, Vegas reste quand même, on va dire, le porte-étendard d'une Amérique un petit peu triomphante. Il y a la Trump Tower, l'argent, on va dire, facile, les mariages d'Elvis, alors que Vegas reste une ville absolument dégueulasse, où, mis à part le strip, en fait, où t'auras tous les casinos, t'as tous les beaucoup, bars, t'as énormément de pauvreté. Juste à côté. C'est une ville qui est quand même très grande, où c'est basiquement c'est des gros lotissements dégueulasses, avec des baraques qui se ressemblent. Le périph' de Las Vegas, c'est un enfer. Hein. Il est hyper long. Enfin bref, pour sortir de la ville, c'est chiant comme la pluie. Mais le fait que ça soit tourné à Vegas, c'est assez rigolo. Alors, il y a un truc qui est un truc, petite anecdote qui est sympathique, c'est que c'est le réalisateur, son nom là me vient plus, Ben Zedrin, c'est le réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage. Oui. En fait, ils sont potes, et qui a été un petit peu conseiller sur. Conseiller technique. Sur le film. Et je trouve ça rigolo, en fait, parce que si on se souvient des Bêtes du Sud Sauvage, en fait, c'était un petit peu pareil. C'est un film qu'on pouvait qualifier d'American Gothic sur cette Amérique. Alors, c'était pas white trash, mais un petit peu trasheuse. Mais on n'est pas dans un rapport friedkinien ou d'une vision friedkinienne du genre. Oui, c'est comme pas Killer Joe. On est plus chez Jeff Nichols, en fait. Tu vois, oui, exactement. L'école d'Austin, ouais, voilà, tu vois. Exactement. Certains Graham Gordon Green aussi, là je pense à celui avec Nicolas Cage, il y avait, comment il s'appelle, L'autre Rive, non, oui, L'autre Rive. Ouais. Oui, c'est ça, et moi ça me faisait rigoler de voir un petit peu ce cinéaste, de voir son nom en fait s'afficher, et je me dis, mais oui, en fait, lui aussi a parlé d'une Amérique perdue, alors une Amérique ici, c'était tournée en Louisiane dans les Bêtes du Sud Sauvage, mais en fait, voilà, tout est cohérent, et en fait, ces cinéastes-ci, avec ce film-là, dans un film qui ne rentre dans aucune case, qui les fait toutes déborder, en fait, paradoxalement, arrivent à rentrer dans une espèce de décolle du cinéma américain qu'on avait peut-être un petit peu perdu de vue, et en fait, qui revient là. Qu'on pourrait quasiment qualifier de néo-réaliste, en fait. Oui. Parce que finalement, tu regardes le procédé de ce film-là, justement, d'utiliser des vraies personnes pour faire de la fiction,
dans des lieux réels, finalement, tu regardes, ça coche quasiment toutes les cases du néo-réalisme italien, quoi. Donc, et je pense que cette école-là, elle a toujours existé dans le cinéma américain. Que ce soit Cassavetes, tu vois, dans des formes très, très différentes. Ouais, ouais. Et, mais dans la même veine de pensée, ouais, en tout et cas. Et voilà, toujours destiné à montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les États-Unis, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est toujours un peu plus compliqué que ça. Bah, ou de toute façon, le gros truc quand même du cinéma américain et de la pensée américaine de manière générale, c'est d'essayer de circonscrire et de comprendre ce qu'est le rêve américain, ce gros truc dont ils n'arrêtent pas de parler tout le temps, mais que personne n'est vraiment capable de définir. Et surtout depuis la guerre du Vietnam, justement, la fin du rêve américain. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est réellement ? Et il y a un des personnages du film dedans qui en parle, bah, donc qui est le perso de Pam, qui elle a réussi à vivre son rêve américain, être immature. Où finalement, pour elle, c'est ça le rêve américain, où il n'y a pas d'idée du collectif aux USA, mais finalement, c'est pour le coup, c'est bien le truc ricain, individualiste, où chacun doit trouver son propre rêve, et elle, en l'occurrence, bah, c'est être immature, et puis faire la conne jusque le plus tard possible, quoi. Et elle, à plus de 60 balles, justement, elle arrive encore à faire n'importe quoi, elle montre ses nichons aux petits jeunes, elle fait des blagues, picole comme une barrique. Et puis, du coup, elle arrive à tenir son truc. Et puis, au-delà de ce que le film a de très américain, je trouve que le fait de choisir le bistrot, ça fait pour beaucoup aussi, pour l'identification, on n'a pas besoin d'être américain, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est aussi des choses qu'on peut voir en France. Des bistrots comme ça, il y en a en France. Balzac à Rennes. Voilà, par exemple. Et c'est, voilà, tenu par des gens qui, voilà, qui. Par les matrones, quoi. Voilà, qui se laissent pas emmerder, qui savent dealer tout ce monde-là, même quand ça commence à devenir un peu tendu, tout ça, enfin c'est... On peut penser au Terminus, à Rennes. Et justement, il nous en reste encore, hein, quand même, c'est vrai. Et voilà, et je trouve que ça, de ce côté-là, alors je sais pas, ça marche peut-être pas dans tous les pays, dans toutes les cultures, mais en tout cas, pour les cultures européennes, enfin en tout cas pour les cultures françaises, ça marche très très bien. Et on pourrait tout à fait voir ce projet-là et décliner ce projet-là à la française, on obtiendrait, à mon avis, ce même rapport à l'humanité, justement, ou à ce mélange de pathétique et d'humain. Mais ce qu'il faut pas rater, c'est prendre le bon bar, justement, parce que si genre tu fais ça dans un bar des sports à Rennes ou des trucs comme ça, t'as des machins peu plus clinquants. Tu vas pas faire ça Place des Lys sur le Mail. Ça, c'est clair et net. Mais oui, mais en même temps, on pourrait faire ça en France, on pourrait faire ça à Rennes, dans un même type de bar, avec une même problématique. Sociale et politique et de géographie de la ville, on obtiendrait à peu près les mêmes choses. Bien entendu, avec beaucoup également, vu qu'on est à Rennes, beaucoup d'alcool. Moi j'ai souvenir de quelques, je sais pas pourquoi on est en train de faire la pub des bars là, mais moi j'ai effectivement quelques souvenirs de soirées au Saint-Y, je me souviens, ce genre d'ambiance là, tu vois, où t'avais des gens, des gens extrêmement différents et parfois des gens très étranges. Oui, et qu'est-ce que ça clopait aussi, hein. Et qu'est-ce que ça clopait aussi, ouais, moi j'ai souvenir d'un 14 juillet il y a quelques années là-bas, bon c'était n'importe quoi. Fume au comptoir, c'est qu'est-ce que c'est bien quand même. Mais c'était cool, à boire des pintes de Duvel et tout, enfin bon voilà, le monde d'avant, voilà. C'est vrai que c'est un film américain, moi c'est qui est très surprenant et moi, il me semble... C'est un pari casse-gueule en plus, quand même. Ouais, mais moi, il me semble qu'on avait. Ça faisait longtemps, en fait, que le cinéma américain n'avait pas proposé un tel discours, et je trouve qu'on avait un petit peu perdu de vue ce cinéma-là. Et là, il revient un petit. Alors, il revient, je veux dire, sur le devant de la scène, non, parce que le film n'est pas encore distribué. Justement, je pense aussi que si ce genre de cinéma américain, on l'a perdu de vue, c'est aussi parce qu'il n'est pas du tout. Parce qu'il sort pas en France, quoi. Oui. Ça se trouve, il y a peut-être d'autres propositions comme ça, le truc, c'est que ça, en général, a priori, ça sonne tellement ricain qu'en fait, ça passe même plus les frontières du pays et pour arriver chez nous. Moi, je suis en tout cas très content d'avoir pu jeter un petit coup d'œil et un petit coup d'oreille, parce que la bande-son est merveilleuse. Ouais, justement, parce que sur la question de la musique, au début, quand ils ont commencé à tourner donc dans le bar, il n'y avait pas de musique de fond parce qu'ils se sont dit que ça allait être trop casse-couille pour les droits, donc ils auraient remis de la musique plus tard. Et les clients se sont dit « Putain, mais attends, mais c'est de la merde, quoi. Un vrai bar, t'as genre plein de musique qui passe. » Et du coup, c'est une playlist, mais alors c'est bigarré quand même. Hein. Ça passe... Chamarré. Oui, chamarré, ça passe... Il y a le Wannabe des Spice Girls, il y a du Kenny Rogers, il y a un peu de rap. Michael Jackson, il me semble. Il y a du Michael Jackson, il y a de la country. Il y a un peu de soul aussi. Un peu de soul, c'est vraiment... Alors, je sais pas qui fait leur playlist, hein, mais visiblement, en tout cas, ils ont quand même plutôt bon goût. Oui. J'ai cru entendre, je suis pas sûr de moi, j'ai cru entendre une reprise de My Way, mais par Aretha Franklin. Oui, il y a un moment, voilà. Ouais, je suis un peu déçu parce que je pensais que le matin ils auraient mis Breakfast in America de Supertramp, tu vois, ça aurait été pas mal pour emboîter le film. Donc ce très beau film qui donc est disponible sur les internets, voilà. Donc malheureusement le film sera
n'est pas sorti en salle en France. C'est con parce que ça serait ça pour le coup à Rennes, ça serait un film de réouverture de Cinoche et de réouverture pour... de bar conjointe. Oui, et... oui, mais il faut avoir le droit d'emmener sa bière pour aller voir le film. Oui, pour Comptoir du Doc. Faire un drive-in. Tiens, il faudrait faire un drive-in avec ah ce oui. film-là. Alors je vous rappelle qu'on a pas de boire au volant. Docteur. Non, mais un drive-in, on roule pas. Un drive-in. Oui, mais après tu pars. Non, mais tu dors dans la voiture. Oh, allez. Oui, voilà, tu fais un camping, quoi. Un festival. Voilà. Ouais, bah tiens, un festival. On appellerait ça un festival. Ah, c'est un super mot. C'est super. Faut vraiment qu'on le garde, celui-là. On vient en voiture, on a de l'alcool, on regarde des films et après on dort sur place. Ah, et, ouais. Et le lendemain, on prend genre un petit test, un éthylotest, on voit si on peut partir. Et si on peut pas, on reboit. Ouais, ça me semble pas mal. C'est pas mal, ça hein. Me pas mal. Bon, avis aux amateurs. on lance des idées. Voilà. Après, n'hésitez pas. Ouais. À nous contacter sur la page de l'émission ou sur les réseaux sociaux, hein, on vous répondra voilà, si vous avez des idées comme ça. Pas de souci. De cinéma et alcool, un beau festival. N'importe quoi cette chronique. Donc voilà, c'est le très beau film Bloody Nose, Empty Pockets, titre étrange d'ailleurs aussi, Bloody Nose, Empty Pockets, qui donc disait des frères Ross disponibles sur les internets et c'est, je trouve, moi, une de mes plus belles découvertes de l'année. Oui. Et comme quoi, merci quand même le cinéma américain, quand ils veulent, c'est vraiment les plus forts. Cocorico, enfin non, c'est pas ça du coup. Mais... Donc, on va s'arrêter là. On va passer à un tout autre genre, puisqu'on va quitter nos amis américains pour aller chez les méchants, les japonais, donc leurs ennemis. Parler dans un monde peuplé de cauchemars, mais on va se quitter quand même avec un petit extrait de Bloody Nose, Empty Pockets. And there is nothing, I promise you, because I have looked. There is nothing more boring. There is nothing more, oh my fuck, is he ever gonna go away? Than a guy who used to do stuff, who doesn't do stuff no more, because he's in a ball. Alright. Yeah, that's it. You promise? No, I don't promise anything. Come on, come on, please. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était un extrait de la bande originale de Bloody Nose Empty Pockets, le morceau Happy Trails qui est un des derniers morceaux du film, bande originale composée par Casey Wayne McAllister. Et dans un tout autre genre mais de joyeux voyage, il va aussi en être question à l'occasion de la sortie chez Spectrum Film d'un coffret contenant deux longs métrages d'un jeune réalisateur japonais qui s'appelle Ujisha, donc qui contient deux films, Burning Buddha Man en 2013 et Violence Voyager en 2018. C'était un réalisateur que personnellement je ne connaissais absolument pas, donc une fois de plus ça participe à la volonté de défricher, on va dire, les cinémas d'Extrême-Orient de la part de Spectrum, et c'est vrai que c'était, on va dire, une proposition, comme on dit, qui est assez singulière aussi, il y en est. Pour le moins curieuse. Pour le moins curieuse et oui, vraiment assez perturbante aussi, car donc ce sont des films d'animation, deux films d'animation assez courts, hein, qui doivent faire 1h15 et 1h20, je crois, l'autre. Et donc un film d'animation avec une méthode d'animation assez particulière, puisque donc... Et assez rare apparemment. Et assez rare, donc en gros ce sont des personnages qui sont découpés dans du papier, qui sont peints et qui sont animés devant des décors avec des baguettes, avec ce genre de choses... Et mêlé à ça, donc, on va dire, différentes semences, épisécrétions et des liquides, de toutes sortes, et qui vont faire un splash sur l'écran et sur les personnages. Et donc, dans ces deux films-là, ils développent un univers qui mêle à la fois celui du conte, celui de la fable, et en même temps, un certain sens, on va dire, du psychédélisme, de l'ultra-violence, du gore et du trash, si on peut dire. On peut dire ça. Voilà. Alors c'est vrai que, alors faut bien préciser que c'est les deux films. Hein, comment dire, ça devient assez bizarre vraiment au bout de 10 minutes, hein, quand même. Hein, ça part pas. Ça, oui, oui, assez voilà. Vite, hein. C'est alors outre le dispositif d'animation qui peut être un petit peu surprenant au départ, parce que c'est vrai que alors faut préciser ce que ça rend peut-être à l'écran, c'est que contrairement à de l'animation classique, ça a une certaine forme de schématisme, puisque on change les dessins sur des baguettes en fonction des plans en fait, voilà. Et des émotions que les personnages sont censés ressentir à tel ou tel moment, mais sinon c'est
que c'est que de la voix off, bien évidemment. Il n'y a pas de, d'animation du mouvement des lèvres, ou très peu, et sur les yeux, très très peu. Et donc ça donne une espèce de, ça donne quelque chose d'assez schématique qui est, ou qui semble en tout cas archaïque. Alors c'est ça que moi je dis. Il n'y a que Burning Buddha Man qui commence et qui se conclut par des scènes, ouais. Une très courte scène tournée en live avec une vraie actrice. Voilà, qui je trouve, alors je trouve justement font en que ça, il y a encore un peu ce côté film d'étudiant, je trouve. Ouais, voilà. Un peu trop artificiel. Voilà, qui est plus, mais je trouve que c'est plus maîtrisé dans Violent Voyager. Je trouve que c'est on sent que c'est plus maîtrisé, on sent qu'il maîtrise mieux sa technique, sachant que Burning Buddha Man est déjà, enfin moi je trouve assez bluffant, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, alors c'est pas forcément facile de rentrer dans le film parce qu'on sait pas de l'animation à laquelle on est habitué, mais et c'est ça toujours le grand pouvoir de l'animation, c'est que en fait assez rapidement l'univers visuel en fait voilà. Devient assez vite cohérent, ouais, et on l'accepte. Voilà, et on l'accepte exactement, et du coup les comédiens par leur voix en fait arrivent vraiment à créer quand même à modeler ces personnages, et je trouve que c'est un film, c'est deux films qui sont très surprenants comme ça au premier abord, puis finalement on finit par rentrer dans. Alors, par contre après c'est bizarre, c'est assez malsain à certains moments, c'est-à-dire ouais, que c'est vraiment glauque quand même. C'est moi j'ai retrouvé dans certains dessins, du Giger, tu vois. Giger, du Bosch, voilà. Vraiment. Du Giger coloré, des influences, du Cronenberg. Des pictures qui sont vraiment, de toute façon, voilà. Le rapport à la chair, le rapport à la violence. Le body horror. Tout le body horror à la japonaise, qui sont des choses qu'on trouve beaucoup dans le manga aussi. Et avec, pour moi, quand même, des sous-textes assez cash. Et je comprends pourquoi il le fait avec cette forme d'animation, parce qu'elle coûte quand même beaucoup moins cher, mais elle permet par contre d'être beaucoup plus libre en termes de discours. Et c'est vrai que. Il y a quand même deux trois trucs moi je trouve dans parce que voilà Burning Buddha Man c'est quand même beaucoup, ça parle beaucoup d'histoires de viol, en tout cas de menaces de viol de l'héroïne par une espèce de vieux barbon absolument affreux, et dans dans Violent Voyager, putain quoi, je veux dire, une descente aux enfers dans un parc d'attractions deux enfants, et puis ça deal avec la pédophilie, enfin c'est un peu tricky, hein. ouais c'est assez cash, et ça meurt, mon Dieu quoi, mais qu'est-ce que ça meurt quoi comme truc quoi. Ça meurt les chats, les singes, il n'y a pas un personnage, et le personnage est multi-traumatisé d'ailleurs, les deux films, hein. Mm-hmm. Les personnages c'est des personnages qui vivent des multi-traumas en fait pendant tout le film quoi, et c'est 5 guerres d'un coup quoi, limite. Et pourtant c'est ça qui est bizarre, c'est que il y a un côté je dirais pas mignon, mais enfantin, ouais. un peu charmant, enfin charmant, ouais. C'est relatif, c'est enfantin, mais... plutôt, ouais. Faussement enfantin. Et c'est un vrai conte du coup finalement. C'est oui, avec des vraies formes de contes, puis des références, au programme pour la jeunesse, au truc genre Bioman, aux histoires de robots géants, à la culture japonaise, au film de fantômes, mais toujours avec des espèces de personnages masculins. Assez menaçant en fait par rapport à la jeunesse, par rapport aux enfants, et dans Violence Voyageur, moi j'avoue que j'ai trouvé ça assez trashouille quand même quoi, mais ça c'est pas, j'ai pas trouvé ça complaisant non plus, mais par exemple ce truc des fluides par exemple, ça c'est un truc qui est quand même vachement curieux quoi, c'est à dire qu'il y a plein de moments en fait où les personnages vomissent, où ils s'extirpent de choses avec, et c'est toujours des espèces de liquide séminal, enfin il y a quelque chose, et puis pareil ça ressemble vraiment, genre peu importe la couleur, que ce soit vert, rouge, ouais. Ça ressemble quand même vachement à du sperme de manière générale. Ouais, ouais. Et puis t'as plein de trucs dans les décors où il y a des trucs qui ressemblent à des anus, où les personnages doivent rentrer dans des espèces de cachets dans les coins. Voilà, dans des espèces de voilà, et même les corps, tu vois, avec des espèces de sexe atrophié, de trucs comme ça, c'est très très. T'as l'impression que c'est les dessins, tu sais, que tu fais dans la marge du cahier de maths, ouais. Parce que tu t'emmerdes, donc du coup tu vas faire. Genre des bites et puis des croix gammées parce que c'est les seuls trucs que tu sais dessiner quoi. Mais c'est du vrai grotesque, ouais. Par contre, c'est du cinéma grotesque. Mmh. Avec un côté, moi, presque art brut, tu vois, avec ce qu'on appelle l'art brut, quoi. C'est-à-dire cette espèce de c'est-à-dire que la perfection technique n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, justement, c'est le côté cru.
à la fois dans les thèmes, mais aussi dans le traitement avec quelque chose de très organique finalement, même si c'est du papier. Mais ça donne qu'il y a une matérialité, voilà, il y a une matérialité de l'animation, je trouve, qui est vraiment intéressante à regarder en fait, avec les arrière-plans, les jeux de focale. Enfin, je trouve qu'il y a, et dans Violence Manager, je trouve qu'on sent qu'il a passé le cap au-dessus, quoi. Techniquement, il est beaucoup plus affirmé, même s'il y a des trucs déjà qui sont vachement intéressants dans Burning Buddha Man. Donc dans Burning Buddha Man, il a 25 ans à peu près quand il le fait, parce qu'il a 35 ans maintenant, je crois. Donc c'est quand même assez impressionnant, surtout qu'il le commence quasiment tout seul en fait, et que après il a réussi à s'entourer un peu plus d'une équipe, mais globalement c'est quand même des très très petits formats avec l'équipe technique et tout, donc c'est quand même assez étonnant. Et sur le coffret de Spectrum, il y a aussi différents courts-métrages qu'il avait pu faire. En gros, c'est l'intégrale de son œuvre en fait qui dispo dessus, qui était une édition qui a été faite de manière conjointe avec une boîte anglaise, je crois. Donc il y a entretien avec L'Oréal assez récente. Il y a des trucs de storyboard justement pour voir un petit peu comment est-ce qu'il travaille, parce que vu qu'évidemment il a pas d'énorme budget, il doit tout prévoir avant, il a tout dessiné, il va tout prévoir, et ils vont après se faire chier à faire toutes les émotions qui parfois vont servir à juste un seul plan pour les personnages, et qui est vraiment une technique d'animation qui est très étonnante. C'est presque de la BD ouais. En animation, c'est-à-dire que c'est un rapport à la BD peut-être qui est, à mon avis, plus fort que dans d'autres styles d'animation. Parce que t'as vraiment des moments où c'est presque des cases en fait, que tu et t'as une espèce de sens de lecture comme ça. Enfin, c'est difficile à définir. Hein. C'est un peu difficile à définir parce que c'est tellement rare en fait. Moi, j'avais jamais vu d'animation. J'avais déjà vu des animations avec des marionnettes, des choses comme ça, mais pas ce type-là d'animation papier. Ça m'a fait penser un peu à Gilliam. Ouais, même avec si les collages qui faisaient voilà, même si c'est, voilà, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a fait voilà, c'est un petit peu dans cet ordre-là quoi. Et ouais, mais moi c'est vraiment le côté grotesque aussi, ouais, du coup. Voilà, le côté grotesque, dit, voilà, puis le côté rêve, le côté organique, et ouais, c'est très surprenant. Enfin, moi j'ai trouvé surtout que c'était très libre. Et c'est vrai qu'on s'attend, enfin moi je sais pas pourquoi je m'attendais à trouver un mec chelou quoi, tu vois, et le réalisateur, il est tout mignon quoi. Ouais, c'est un petit gars tout gentil. Mais il y a du bordel dans son cerveau. Ouais, celui-ci, il y a du bordel dans son cerveau. Parce que c'est compliqué quand même. Et puis tu sens qu'effectivement, Tetsuo, le manga horrifique japonais, tout ça, tu sens que c'est des trucs qui l'ont marqué. Quoi, ouais, le body horror. Enfin, voilà, c'est un mix de plein de trucs, pas forcément toujours agréables à regarder. Mais pour peu qu'on goûte un peu ce genre de cinéma, c'est pas gratuit en tout cas. Moi, j'ai pas trouvé ça gratuit. Même si Burning Buddha Man est un peu difficile à suivre, ouais. Avec des histoires de statues de Bouddha creuses à l'intérieur duquel tu fusionnes. Enfin, ça se barre en sucette très très vite. Hein, ouais, tu sais, bon, on dirait vraiment les mangas japonais où les mecs, au bout d'un moment, ils savent plus trop où partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre Bouddha. De toute façon, ça marche à tous les coups. Puis on va y faire n'importe quoi avec des trucs mystiques. En tout cas, les titres sont mortels. Ouais, Burning Buddha Man, c'est quand même un super titre. Donc voilà, le coffret Ujisha, donc disponible chez Spectrum Film, qui est sorti donc tout récemment. Pour le coup, une découverte, qui est une émission de découverte, voilà. J'ai envie de dire. Une curiosité, voilà, une double curiosité voilà. Tout à fait. Avis aux amateurs. Les amateurs apprécieront. Bien sûr. Donc voilà, on va s'arrêter là. Par contre, si vous aimez La Mélodie du Bonheur, vous avez peut-être d'autres trucs à regarder entre les deux avant d'arriver à Ujisha. Il y a des paliers. Voilà, il y a des paliers à franchir quand même, parce que faut aimer un peu le trashouille quand même. Quoi. Voilà, c'est un peu craspec. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. Et tout à coup, Jean-Michel Mimosa. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Alors, moi, ça va être un film, ça va être le Lady Bird de Greta Gerwig. Teen movie se passant à Sacramento d'une très belle sincérité. Où est-ce que c'est Sacramento, Thibaut ? Sacramento, c'est bien entendu la capitale fédérale de la Californie, ville dont tout le monde s'en branle. Mis à part que ça a donné le groupe merveilleux Deftones. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais ville globalement où on se fait chier. Et Greta Gerwig. Une vraie ville américaine. Voilà, Greta Gerwig en fait vient de Sacramento et on sent très bien l'aspect semi-autobiographique. Donc il y a une vraie sincérité dans ce film et surtout, malgré quelques petits artifices arty dans certains raccords. Je trouve on se dégage très très vite du film Sundance de Greta Gerwig, c'est l'école du mumblecore on va dire, avec Noah Baumbach voilà, oui, avec qui elle est en couple, hein, avec qui ils ont un enfant, mais bon bref, on s'en fiche. Et, et ici j'ai trouvé ce teen movie très plaisant, une vraie science du rythme
de la part de Greta Gerwig. Mais qui avait déjà dans son film précédent qui s'appelait Francis A. Francesa qui est de Noah Baumbach. Ouais. Là, elle jouait de. Ah, sinon, c'est Noah Baumbach, pardon, pour moi. Et là, c'est le premier film qu'elle réalise toute seule. Ouais, son premier, c'était en 2008, c'était Nights and Weekends. Joe Swanberg. Une co-réalisation. Et ici, voilà, il y a un vrai sens du rythme, des blagues qui font absolument mouche, une très très belle sincérité. Elle arrive également à filmer Sacramento. Et puis voilà, un vrai discours sur. Les valeurs qui sont transmises, le passage à l'adulte, qu'en gros c'est Lady Bird qui va devenir Lady Hawk. Hein, excellent film de Richard Donner. Voilà. On parle pas assez de Richard Donner. Richard Donner. Ouais. Ouais. donc voilà. Et puis un album de musique que je ne fais que d'écouter depuis 2-3 jours, c'est le Fortitude de Gojira. Album, ils ont changé un petit peu de direction, album peut-être plus accessible, mais en tout cas avec des... Plus pop. Oui, plus pop, il y a des solos, il y a même des refrains mélodiques qui, je trouve, absolument bouleversants, notamment une chanson qui s'appelle Into the Storm, que j'ai écouté 10 fois d'affilée peut-être. Et puis voilà, une chanson aussi qui s'appelle Amazonia, qui sous influence Sepultura Roots... Donc, un très très bel album, plus accessible, d'un groupe que je trouve absolument incroyable. Un groupe majeur de la scène métal mondiale. Ils ont fait du chemin, les petits gars. Ouais, 25 ans de carrière. Moi j'ai vu à 15 ans, c'était bien. 25 ans de carrière, des monstres techniques, des monstres scéniques. Et Joe Duplantier! Et hyper agréable en interview. Ils sont drôles en plus. Ah, putain, ils sont super sympas. Plein de petites pistes sur leur. Petite piste de réflexion sur leur façon de travailler, sur la façon de produire les albums, sur leurs influences musicales. Donc voilà, un vrai bonheur. Merci. Merci, Steve. Docteur. Alors moi, je ne vais pas faire preuve d'une très grande originalité. Je vais continuer sur mes explorations de Sidney Lumet avec un autre Lumet que je n'avais pointé. Il a une grosse filmographie, hein, t'as largement. Voilà. Donc j'ai de quoi durer jusqu'à la fin de l'année normalement. Avec un Lumet moi que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé très bien, qui s'appelle Les coulisses du pouvoir, Power en anglais, qui date de 1986, avec Richard Gere moustachu, Gene Hackman bourré dans le rôle d'un personnage bourré tous les trois quarts du temps. Et Julie Christie avec des cheveux pleins de boucles. Voilà. Et c'est donc une histoire de conseiller en communication qui suit en fait des candidats pour leur réélection. Je crois que c'est pour être gouverneur. C'est pour les élections pour être gouverneur. Et donc en fait, il y a 4 histoires en une en fait avec 4 personnages, enfin 4 candidats comme ça qui sont suivis par Richard Gere. Et donc Richard Gere qui utilise tous les moyens les plus dégueulasses de manipulation, de sondage, de trucs comme ça. Donc les nouvelles techniques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, mais qui se retrouvent au bout d'un moment dans un imbroglio. Un sacré pataquès. Voilà, tout à fait. Donc je n'en dirai pas plus, mais moi j'ai trouvé que le film, comme souvent chez Lumet, dès qu'il commence à s'intéresser aux médias et à la politique et à la relation entre les deux, je trouve que c'est toujours assez pertinent. Et ce qu'on voit en 1986, en fait, c'est les préparatifs en fait, de cette communication permanente qui est devenue aujourd'hui la représentation politique, c'est-à-dire uniquement des mots, des gens qui disent des mots dans des postes de télévision avec absolument plus rien derrière, ni idéologie, ni valeur. L'équivalent français serait la gueule de l'autre de Pierre Tchernia avec voilà. Poiré et Serron. Exactement. Mais on est vraiment là-dedans et c'est film efficace, lumetien en diable, simple, efficace, ça marche super bien. Merci. Alors moi, dans un tout autre genre, ça sera une série française, qui a été créée par Jean-François Alain, donc le créateur des Guignols et de Groland, et scénariste des deux OSS 117 de Azanavicius, mais aussi par Claire Le Maréchal et Jean-André Yarlès, donc au service de la France, qui donc se passe à la fin des années 50, début des années 60, et donc c'est le SDEC, le SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, sur nos différentes affaires que nous avons gérées à l'époque, les événements d'Algérie, le bloc de l'Est, l'Afrique de manière générale, et donc c'est sur ces différents barbouzes, un peu leurs aventures et leur pérégrination alors que le péril de la fin de l'Empire est en train de nous guetter. C'est très très drôle, c'est très bien écrit et c'est quand même le truc qu'on arrive le mieux à faire en France, hein. On fait la nique aux Américains, c'est filmer des mecs dans des bureaux qui portent des cravates, qui sont très sûrs d'eux et qui racontent n'importe quoi, ils sont très sûrs de leur arrogance et ça je trouve que pour le coup la série capte vraiment bien
l'humour et l'esprit français. Donc voilà, c'est deux saisons, ça se bouffe tout seul. J'avais pas ri autant sur des blagues avec de la politique depuis bien longtemps. Et faire rire avec le putsch d'Alger, quand même, moi, c'est pas facile. Voilà, donc je vous le conseille. C'est dispo, je crois, maintenant sur Netflix. La série a été produite par Arte et avait été rachetée par Netflix pour la diffusion. Donc voilà, c'est très chouette. On va s'arrêter là. C'est la fin de cette émission Gueule de bois et détente. Donc on vous rappelle Bloody Nose Empty Pocket, c'est le coffret chez Spectrum Film de films de Ujisha. On va s'arrêter là. Merci à Valentin pour la technique, le seul d'entre nous, l'homme le plus fiable de cette émission. Merci docteur, merci carrément Floret. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut. Salut. Un siècle